Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant, « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi. Car avant moi, il était. Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui. Qu'il l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Ah, nous sommes toujours devant notre crèche qui illumine nos visages. La liturgie de la parole, notamment l'évangile que nous venons d'entendre, nous met dans la contemplation du mystère de l'incarnation. Ce prologue de Jean nous plonge dans le mystère de la Trinité. Comme dit saint Irénée, l'évêque de Lyon, au deuxième siècle, Dieu le Père a créé le monde avec ses deux mains, le Fils et l'Esprit. Le Verbe, il n'a pas de commencement puisqu'il est Dieu. Et pourtant le Père a voulu envoyer son Fils pour libérer ce monde du mal. La vie du Fils, c'est un combat. Un combat contre le prince de ce monde. On l'a entendu dès sa naissance. Ce fut un combat. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais si nous sommes là ce soir, en cette église de la Madeleine, c'est parce que nous l'avons reçu. Oh, certes, avec nos pauvretés,
avec nos faiblesses. Mais finalement, il est venu précisément dans le monde pour cela, par grâce, notamment la grâce du baptême. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est bien lui que nous venons adorer avec les bergers, les mages. On ne pourra jamais s'habituer au mystère de l'incarnation. Que Dieu, qui est un pur esprit, que Dieu prenne un corps. Que Dieu sans visage prenne un visage d'homme. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être. Et le Fils, il est assis à la droite du Père. Le prologue insiste sur la gloire qui jaillit de l'offrant Dieu. C'est bien cette gloire qu'ont vu les bergers, les mages, le vieillard Siméon, la prophétesse Anne, cette gloire qui est associé à la grâce et à la vérité. Non seulement nous voyons cette gloire, mais cette gloire, nous la recevons. Par les sacrements, par notre vie spirituelle, par notre vie théologale, la foi, l'espérance, la charité, nous sommes devenus des êtres divinisés. Comme aiment le rappeler nos pères dans la foi, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Ah non pas prendre sa place, mais le voir face à face. Et par cette vision, nous lui serons semblables. Cette divinisation, elle est progressive. Tous, nous avons une part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Et c'est pour ça que nous sommes invités à rendre grâce pour en recevoir davantage. Plus vous recevez les grâces, plus vous devez rendre grâce. Et parce que si vous donnez deux grâces, vous en recevez quatre. Vous imaginez à la fin de la vie le nombre de grâces que vous aurez. Mais c'est ça signifie rendre grâce. Ou si vous voulez, l'action de grâce, entrer dans l'action de la grâce. Voilà. Cette grâce, elle nous remplit de lumière. Elle nous prépare à la vision du Père. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, c'est lui qui l'a fait connaître. On ne reste pas devant la crèche. Nous sommes envoyés de par le monde pour annoncer cette bonne nouvelle. Et entendez ça, comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix. Mais vous êtes beaux, vous avez bien fait de venir ce soir. Et oui, soyons des êtres pacifiés, soyons les ambassadeurs de la paix dans un monde de violence. Mais commençons déjà auprès de nos familles, de nos amis, là où nous sommes envoyés, où nous travaillons. N'est-ce pas finalement le plus beau cadeau que nous pouvons leur faire? Leur annoncer la paix. Il règne ton Dieu. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de Dieu. C'est pour ça que nous pouvons tout à l'heure, en sortant, éclater en cris de joie. Amen.